Je visitais aussi. Je visitais et je prenais du temps pour admirer cette nature. Cette nature est vraiment belle. Il y avait cette nature. Tu as raison, c'est un petit coin de paradis. Tu peux en être fier. Ici, tu as seulement de passage. C'est ce que tu as dit. Bien sûr, je visitais. Mais je vois que c'est un endroit est vraiment charmant. Il y a des personnes assez charmantes dans cet endroit. J'ai mon ami de ton nez. C'est vrai. Je veux bien te voir de cet endroit. Vraiment. J'espère retourner dans cet endroit. Mais le plus souvent, on vient avec mes amis. Nous faisons toujours une excursion. Une excursion. Une excursion. Peut-être chaque mois, on va organiser une petite excursion. Mais je m'arrange toujours presser un petit peu plus pour voir la nature. C'est vraiment beau. Je suis toujours à l'école et je vais terminer mon collège et j'ai des ambitions. Bien, je vois que le temps s'est passé un petit peu trop vite.
tu commences à apprécier ta manière de faire, ta manière de parler, ton genre. Et est-ce qu'on peut vraiment continuer la conversation? Bien sûr, je peux te donner mon email, malgré il n'est pas facile de vraiment communiquer. Parce qu'on n'a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. On ne donne pas souvent l'électricité pour un handicap. Bien, dans ce coin de terre, populaire, on n'a pas toujours d'électricité. Bien, quand je vais en ville, dès que possible, à ce moment-là, je vais trouver un cigare à feu, d'envoyer des emails. C'est possible. Eh bien, c'est mon email. Et eh bien, on se dit adieu, Pierre-Louis. Adieu. Et c'est vraiment triste. Eh bien, au revoir. Je dirais que c'est un au revoir. Pas un adieu. C'est un au revoir. C'est un au revoir. Difficile, mais on pourrait toujours continuer la connaissance dans un email. Ça peut se faire, on ne pourra pas dire tout, mais il y a pas moyen de se rencontrer. Mais vous continuez la conversation. Je suis contente de continuer comme ça. Eh bien, bon voyage. Et est-ce que je dois une petite accolade?